Cela fait 208 ans que je ne bats plus des cils. J'ai la vue abondante, en excès. C'est à vous rendre fou. Et pourtant, la folie n'est pas assez folle pour s'installer dans un lieu aussi incommode que mon corps de pierre. Quelle joie de pouvoir fragmenter le temps, se détacher et puis revenir rapidement, comme l'on revient d'un exil purifiant. Quelle amertume que d'être exilé loin de la mort, dans ce territoire inconnu où l'on ne s'y même pas au soleil levant. Ce jour-là, ce n'est pas la vie que l'on a sacrifiée, c'est notre mort. Il est vrai que j'ai la soif de vivre, mais j'ai aussi la faim d'en finir. J'ai la faim parce que mes cheveux ne volent plus au vent rigide. J'ai faim parce que je me suis réveillé de la nuit éternelle et que je ne peux pas me rendormir l'estomac vide. Détruisez-moi que je puisse être oublié. Oubliez-moi que je puisse mourir. Pour que l'on puisse nous admirer, il nous faut être immobile. Un drapeau qui ne s'agite ni au vent, ni au son du tocsin de guerre. Quel fardeau l'héroïsme égoïste. Quel fardeau l'égoïsme. Demandez-moi qui est mon héros. Je vous répondrai le sphinx d'Égypte. Le sphinx n'a pas perdu son nez en essayant d'aspirer une grosse bouffée d'air frais, non. Cette chimère de Gizeh, à l'opposé de sa jumelle grecque, n'avait pas la même affection pour les énigmes. C'est alors qu'en guise de révolte ou de jalousie, peut-être, elle se leva. Dans ce mouvement de désobéissance, son nez est tombé en portant avec lui la mémoire d'une chimère entière, immortelle. L'eau était calme. Le sphinx venait de créer sa propre énigme. Il se coucha pour ne plus jamais se relever. Pour ne plus jamais se relever, sa révolte était accomplie. Mourir pour la liberté des hommes, c'est admirable, mais mourir pour la liberté des statues, c'est monumental. Alors, croyez-moi, lorsque je vous dis que la mort est votre amie, qu'il ne faut pas la fâcher, il faut se donner à elle discrètement, sans bruit. Sans place publique, sans public. C'est seulement dans ces conditions que vous trouverez le repos. Autrement, si tu es de ceux qui ont la prétention d'avoir une vie mémorable, alors souviens-toi que la mémoire des autres vous fera vivre dans le mode immobile et silencieux des statues. Et dans ce monde-là, la gloire n'existe pas. Il n'a que l'ennui. Et des yeux qui ne s'y iront plus jamais.